du salon petit écran, bienvenue dans l'émission qui fait chanter les romans. 12 familles. Les Berrysville, les Baseldia, les Chevalets, les Chino, les Geysers, les Guérin, les Guisolans, les Porrets, les Thompson Herbar, les Varins, les Vulliami et les Tsmos. Pendant 6 semaines, ces familles vous ont fait vibrer. Elles vous ont séduit. Elles vous ont ému. Ce soir, elles sont toutes réunies pour vous faire vivre en direct la finale d'un air de famille. Mesdames et messieurs, voici votre présentateur, Sarkis Ohanessian. Veuillez accueillir Mélanie Frémont. Et je vous demande maintenant d'accueillir nos parrains Laurie et Nicolas Fessinet. Ce soir en direct pour la grande finale après 6 semaines d'émissions pleines de chansons, pleines d'émotions. Et évidemment, nos deux parrains sont là. Faites du bruit pour Laurie et Nicolas Fessinet. Alors ce soir, il y aura des chansons, mais aussi des images inédites des coulisses et des surprises. D'ailleurs, nos parrains vont activement participer, Laurie. Oui, il paraît. On va chanter. Eh ben, il était temps, figure-toi, parce que ça fait 6 semaines qu'on nous a mis là-bas, là, dans un petit canapé en tant que spectateur. Et ça nous démangeait quand même pas mal. Donc voilà, on va vous faire une petite chanson avec Nicolas. Et aussi, on aura la chance de pouvoir chanter avec les familles. Donc ça, c'est un gros cadeau. Eh ben, on se réjouit d'entendre ça. Nicolas, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes plus stressé de chanter ou de regarder chanter les familles ce soir ? Alors moi, je suis toujours stressé. Donc ça se voit temps, tellement pas. Non mais c'est vrai. Moi, j'ai plutôt été fabriqué pour chanter, mais en même temps, j'ai quand même un petit stress pour ces familles parce qu'on les a accompagnées, on a partagé des choses avec elles. Donc du coup, on s'approprie un peu leur présence sur scène et ce qu'elles vont recevoir des gens qui sont en face. Donc il y a un petit pincement au cœur quand on les voit arriver. Et on serait... Il y a des fans de Nicolas Fessinet, visiblement. Et puis, pour présenter cette finale, vous l'avez constaté, je ne serai pas seul. En effet, je serai accompagné de Mélanie Frémont. Merci à tous. En tout cas, moi, comme l'année dernière, je suis hyper heureuse de pouvoir partager cette grande finale avec vous et d'être ici et de ressentir toutes ces bonnes ondes. Et voilà. Émotions, mais oui, parce que ce public, il est chaud. Cette chair de poule, génial. En plus, oui, exactement. Public, alors... Faut pas trop le dire, ils sont chauds, parce que dès qu'on le dit, ouais, ils font du bruit. Bon, ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas sur la scène avec vous, Sarkis, je vous abandonnerai un petit ça peu. Y est. Je vais me retrouver seul encore. Oui, mais vous avez l'habitude, c'est pas la première fois. J'ai l'habitude d'être seul, merci, ça fait plaisir. Et oui, chers téléspectateurs, je suis un homme seul. Ça commence non, très non, bien. Non, 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 ma ça chérie est dans le public, bien. Alors s'il vous plaît. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je vais être avec les familles au Studio 2. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite d'aller faire un tour de ce côté-là, histoire de voir quelle est l'ambiance au Studio 2. Chers familles. Alors visiblement ils font du bruit. Ouais, j'ai l'impression, j'espère. Ouais. Hein, voilà. Parce qu'on les entend pas visiblement. Non, moi je ne les entends pas. Je suis certain qu'ils font du bruit. Voilà, exactement. Donc vous l'aurez compris, hein, ce soir il va y avoir beaucoup d'ambiance et chez vous aussi il y aura de l'ambiance puisque vous allez pouvoir interagir avec nous tout au long de cette soirée via les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter. Mais tout ça je vous en parle un peu plus tard.
Dans quelques instants, donc ce sera à vous de jouer en votant pour votre famille préférée. Et la famille qui aura le plus de votes gagnera un air de famille 2014. Mais pour le moment, on va revenir sur l'émission de la semaine passée, car Mélanie, il reste une place en finale. Oui, exactement. Et on ne sait pas encore qui l'a remporté cette place. Il y avait les Porets qui étaient face au Chevalet. Alors avant de savoir qui s'est qualifié pour la finale, qui est la dernière famille qualifiée, je vous propose de revenir sur leur prestation. Ce soir, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va évidemment tout de suite vous dire quelle est la famille qualifiée. Regardez. Merci beaucoup, ça me fait un immense plaisir. Je me suis adorée. Merci, mademoiselle. Donc d'être qualifiée pour la finale, ben c'est génial. Franchement, moi je m'y attendais pas du tout. On voudrait remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont voté pour nous. Puis aussi notre famille en Suisse allemande, une petite pensée pour eux parce qu'ils n'ont absolument rien compris de tout ce qui s'est passé, mais ils ont voté, ils étaient aussi derrière nous. Et puis ça nous fait vraiment un super plaisir, quoi. Se voir à la télé, c'est, ouais, ça fait bizarre vraiment de se voir de l'extérieur parce que nous on vit la chose voilà, depuis la scène. Et puis on se demande surtout en fait qu'est-ce que ça va donner justement, si on s'est bien tenu, si on faisait pas trop des grimaces. Ouais, mais pour moi c'était que du bonheur, quoi. Les maquilleuses ont fait un truc assez extraordinaire parce que nous on est des filles assez simples. On se maquille pas forcément souvent, on s'habille pas de cette manière-là. Et de se voir comme ça dans ce cadre-là, c'est assez chouette, c'est assez unique en fait. C'était vraiment bien, franchement. Et puis j'ai été aussi très impressionnée par les chevalets. Parce que nous on voit pas, c'est des choses qu'on entend. On voit des bribes, mais exactement ce qui se passe, on ne le sait pas. Et c'est vraiment en voyant le résultat de l'émission que là, on est là. Ah ouais, waouh, vraiment. C'est vrai, ils ont une belle complicité. Ils s'entendent super bien, les trois. Ils partagent la musique avec plaisir. Donc, ouais, gros bec à eux, puis on se réjouit des voix. Alors, est-ce qu'on est prête pour la finale? Mais on est au taquet! Félicitations à la famille Porec, qu'on voit en toute amitié au Studio 2, accompagnée de la famille Chevalet. Ah, ils sont beaux! Voilà, on connaît maintenant les 6 familles finalistes. Alors, c'est à vous de voter et d'élire votre famille coup de cœur d'un air de famille 2014. Un seul numéro, le 0901-54-43, suivi du numéro de la famille. On vous explique tout dans ce sujet. 12 familles ont participé à cette aventure musicale. Ce soir, elles ne sont plus que 6. Famille Guizelan. Composez le 0901-54-43-01. Famille Chino. Composez le 0901-54-43-02. Famille Porret. Composez le 0901-54-43-03. Famille Guérin.
composez le 0901 54 43 04. Famille Smalls. Composez le 0901 54 43 05. Famille Varin. Composez le 0901 54 43 06. Un seul gagnant. Alors votez dès maintenant pour votre famille préférée. C'est vous qui décidez. Vous pouvez voter dès maintenant, pas besoin d'attendre que les familles aient chanté. Alors à vos téléphones, 80 centimes l'appel sur réseau fixe. Avant de passer la parole à Mélanie au studio 2, je le sais, ce soir, il y a un match de foot, la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions sur RTS2. Est-ce que vous êtes fan de foot ici? Vous n'êtes pas fan de foot? Eh bien vous qui regardez Un air de famille, restez avec nous. Je vous tiendrai informé du score au fur et à mesure. Mélanie au studio 2, bonsoir, comment ça oui, va? Oui, je suis là, je suis avec toutes les familles, 12 familles derrière moi. Regardez, écoutez plutôt le bruit que ça fait. Waouh! Je ne sais pas si je vais réussir à parler, hein. Je vais faire de mon mieux. En tout cas, vous l'aurez compris, ici, il y aura de l'ambiance dans ce studio 2, puisque c'est ici que les familles vont attendre, vont patienter avant de monter sur scène et de vous présenter leurs chansons. Alors c'est ici aussi qu'elles vont stresser un petit peu, je peux vous le dire. Il y a quand même un tout petit peu de tension, n'est-ce pas, là, derrière? Voilà. Donc justement, rassurez-vous, nous avons pensé à tout pour détendre l'atmosphère. Nous allons tout de suite commencer par vous offrir un cadeau qui, j'en suis certaine, fera particulièrement plaisir aux filles. Mesdames et messieurs, puisque c'est pour les garçons et les filles, hein, je vous rassure, tout le monde y aura droit, vous allez aller assister à un concert, celui d'un beau gosse qui vient de Suisse romande. Voilà, et oui, vous allez tous repartir avec un billet pour le concert de Bastian Becker, un concert qui va avoir lieu le 19 et le 20 décembre à l'auditorium Stravinsky de Montreux. Il sera bien sûr accompagné par ses musiciens, mais aussi par 200 choristes de Suisse romande. C'est des concerts tout à fait uniques qui s'intitulent Tous en chœur avec Bastian Becker, et ces places vous sont offertes par Option Musique en partenariat avec RTS1 et RTS2. Je vous l'ai dit en début d'émission, vous allez pouvoir, vous qui êtes à la maison, interagir avec nous tout au long de cette émission via les réseaux sociaux. Alors il y a plusieurs moyens de nous parler, notamment avec Twitter et le hashtag 1ADF. Il y a aussi Facebook, la page Facebook d'Un air de famille. Vous allez sur le site facebook.com/unairdefamille RTS. Et puis il y a notre site internet créé spécialement pour l'occasion sous l'adresse 1adf.rts.ch. Et sur ce site, vous allez pouvoir trouver tout le contenu possible et imaginable en lien avec nos familles. Alors il y a des photos, il y a des vidéos, des interviews, des témoignages, absolument tout ce que vous voulez. Donc connectez-vous sur le site tout au long de la soirée. En plus, vous allez pouvoir retrouver les messages qui apparaissent sur Twitter et sur Facebook. Tout sera rassemblé sur ce site. Donc je vous invite vraiment à y aller et y rester jusqu'à la fin de l'émission. Et allez-y, hein, donnez-nous vos commentaires, posez des questions si vous le voulez. Donnez-nous votre avis sur les prestations des familles et puis surtout supportez vos familles favorites. Et les meilleurs commentaires seront diffusés à l'antenne, donc ça vaut vraiment la peine. On attend vos messages. Merci Mélanie. Alors voilà, les parrains sont installés confortablement dans leur siège rouge. On va revenir sur les 6 précédentes émissions. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan, Laurie, de ces 6 formidables émissions qu'on a vécues? Comme bilan, de très belles rencontres, plein de belles émotions, des fous rires, des larmes, des frissons. Voilà, plein de beaux moments, je pense qu'ils vont être inoubliables pour toutes ces familles. Et puis ce soir, en fait, vous allez être dans la peau, dans la même place que les téléspectateurs. Pourquoi? Parce que vous allez découvrir toutes les chansons qui vont être chantées. Lors des émissions de préparation, vous aviez travaillé avec une famille ou l'autre. Là, ce soir, vous êtes complètement neutre, Nicolas.
En fait, on a une position qui est un petit peu différente par rapport à la fois précédente, parce que justement, avant, on les avait accompagnés sur un titre. Là, on arrive dans une espèce d'atmosphère de retrouvailles après avoir passé un grand week-end avec tout le monde. Et puis, il y a une impression de partage qui est beaucoup plus importante parce qu'on va jouer avec eux sur scène. Et donc, en fait, on n'a pas du tout la même position par rapport à avant, où on était plus dans une espèce de tentative d'apporter des conseils. Là, on va essayer de partager un truc vraiment bien avec eux. Génial. Eh bien, merci en tout cas à Laurie et Nicolas Fraissinet. Les familles vont chanter une chanson de leur choix et je précise qu'il n'y aura que des chansons en français. Je sais que cela fera plaisir à certains téléspectateurs. Et les familles seront accompagnées par un groupe extraordinaire que je vous demande d'applaudir chaleureusement, le Band d'un air de famille dirigé par Gilles Rosset. J'aimerais également encore des applaudissements pour les deux coachs vocaux qui ont travaillé avec les familles pour les préparer aux émissions, que ce soit au niveau de la voix ou des chorégraphies. Noam Perakis et André Schmitt qu'on voit au studio 2. Vous aimez un air de famille, vous voulez venir ici l'an prochain, alors n'hésitez pas, inscrivez-vous. On a déjà des inscriptions pour la saison 3, il reste quelques semaines. Alors si vous voulez venir tenter votre chance au casting, rendez-vous sur notre site internet rts.ch/1adf. Je vous rappelle que les votes sont ouverts et que pour ceux qui auraient raté une des émissions précédentes, eh bien je vous propose de revoir les prestations des 6 familles qualifiées pour la finale. C'est pour vous. J'ai envie de dire que ça y est, la compétition est véritablement lancée puisque j'ai avec moi la toute première famille, celle qui va avoir le lourd devoir d'ouvrir les feux. Comment ça va les guisolants? Ça va. Bon, Annick, je sais, en tout cas, on m'a dit que vous étiez un peu la locomotive dans cette famille. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez motivé vos troupes pour ce soir? Alors ce soir, c'est plutôt eux qui ont dû me motiver. Ah bon? Mais je crois que là, ils sont vraiment à fond et on va vraiment s'éclater. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Le but, c'est de prendre du plaisir hein, quand même. Jean, vous, en tant qu'aîné de la famille, est-ce qu'on est un petit peu... on résiste mieux au stress, en fait, dans ce cas-là? Est-ce qu'on arrive à être plus calme, plus posé, plus serein? Je ne sais pas si vraiment le stress, on arrive vraiment bien à gérer. Mais ça va mieux ce soir que ça allait... à la dernière émission déjà. Ah bon, déjà j'ai l'impression que je commence à apprendre. En fait, vous prenez l'habitude, c'est ça. L'habitude, ouais. Vous revenez la semaine prochaine? Je crois que j'ai bien envie de revenir. Ça marche, ça marche. Encore une question, quel est le moment qui vous a le plus marqué dans toute cette aventure? Le casting. Qu'est-ce qu'il avait de spécial ce casting?
C'était vraiment l'inconnu. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et puis vraiment, c'était impressionnant. Bon, en tout cas, avant de vous laisser partir sur scène, moi, j'aimerais juste me tourner vers Rémi. Parce que Rémi, on m'a dit que tu étais le siffleur de la troupe. Il paraît que tu siffles. C'est juste. Ouais. Tu veux avoir un petit exemple ? Bravo, merci, merci. Allez, c'est parti les amis, c'est à vous, c'est par ici que ça se passe. Voilà. La famille Guizelan qui donc est en route vers la scène et vers le Studio 4. Famille Guizelan qui vient du canton de Fribourg. Et donc ils ouvrent les feux. En tout cas, avant de les retrouver sur scène, on va surtout vous proposer un petit retour en arrière sur leur aventure et revoir des images marquantes de leur rencontre, notamment avec les parrains ou encore des répétitions. C'est tout de suite et c'est ici. Sur l'océan. On le fait, ce dernier, ou pas? Attention. Yo! Waouh! C'est super! Franchement, c'est joyeux, Vous avez une bonne énergie. Vous m'avez transporté, là. Même votre petite mise en scène du début et tout, quand chacun arrive à son tour, c'est très sympa. Alors déjà, ce qui m'a plu dans cette famille, la famille Guizelan, c'est qu'ils arrivent avec trois générations. Le papy, la maman, le papa et les enfants, qui sont vraiment trop mignons. Je les ai trouvés très complices et très positifs aussi. Alors la famille Guizelan, beaucoup d'énergie. Le grand-papa, il fait des journées où je t'envoie de la tarte à la crème dessus et tout. Il organise des soirées comme ça. Ça doit être que bien, cette famille, non? Avec un grand-papa qui fait ça. Au début, j'ai vu beaucoup de complicité entre vous. Et à la fin, vous étiez peut-être plus dans la chanson et vous vous regardiez un peu moins. Et c'est juste, moi, je pensais aux remarques, comme disant, attention, pas oublier ci ou ça. Mais oui. Et puis après, du coup, il y a la complicité qui s'en va. C'est ça, c'est tout à fait. Mais la complicité, en fait, elle va venir tout simplement... Voilà. Au départ, vous êtes là, vous êtes venus pour vivre une belle aventure tous ensemble. Et bien ça, sur scène, il ne faut pas l'oublier. À un moment donné, ils ont besoin d'un regard extérieur aussi. Et ils étaient, je pense, contents qu'il y ait une autre personne qui arrive dans ces répétitions-là. J'ai remarqué que dès qu'il y avait des caméras qui bougeaient, vous fixez la caméra et puis vous perdez votre chanson. Restez dans votre chanson, pensez à ce que vous avez à faire, parce que de toute façon, il va y avoir plein de monde et il va y avoir plein de choses qui vont bouger. Donc, faut vraiment rester concentré sur ce que vous faites et sur vous, la famille. Ouais, vraiment, le mot d'ordre, c'est le plaisir, vous amuser, soyez foufou. Pour une fois que vous avez le droit de faire les fofolles. Ils ont réussi à trouver un chemin qui les unit. En travaillant et puis en... Voilà, puis j'ai trouvé ça super chouette de voir qu'il y a... Quand tu fais de la musique, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de génération. Tu trouves toujours un chemin qui correspond à tout le monde. Qu'est-ce qui nous motiverait à aller en finale? Parce que c'est trop bien. Oh, de remonter sur scène ensemble. Bah oui, de refaire une chanson tous ensemble. Bah oui. De revivre ça encore une fois. Ah oui. Hein? C'est d'accord, Elise. Tu veux aussi? Oui. Vous voterez donc pour la famille Guizelan au 0901-54-43-01. Notre famille du canton de Fribourg ouvre cette émission. Ils chantent une chanson qui trouve bien sa place au début de cette finale. Attention au départ des enfoirés, c'est la famille Guizelan. Attends, 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 attends. Attention au départ.
vous étonner. Si tel est votre désir, je peux tout essayer. On fait les beaux pour la vidéo. On est les pros des très mollos. Moi je connais des tours, moi je joue du tambour. Chanter les belles et puis l'amour. Attends, attention au départ. Attention au départ. C'était la famille Ghisolo. Ah ouais, il y a même le nom écrit là, porté par plein de gens. Ça fait plaisir, Alain. Ah, c'est absolument génial, indescriptible. Et puis alors, bravo, parce qu'il y a vraiment une chorégraphie très étudiée, Yannick. Ça a été combien de mois de répétition? Oh, des mois et des mois. Quelques semaines. Et Thaïsa, tu fais du sport? Pour comme ça, danser, bouger, Rémi aussi, passer sous les jambes. Je fais de la danse. Tu fais de la danse, ça se voit. Ça se voit. Vous avez pris du plaisir, Jean? Je fais pas de danse. Bien dans le micro. Ah, un énorme plaisir. Vous faites pas de danse? Non. Ça peut peut-être venir. Mais vous prenez quand même du plaisir. Un immense plaisir, oui. Et je sais que vous avez un petit bonjour à faire. D'abord, j'ai envie de dire quelle aventure on a vécue pour arriver jusque-là. C'était magnifique. Eh ben, tant mieux. Un tout grand merci aux gens qui nous ont supportés, qui nous ont encouragés jusque-là. Chaleureux. On peut les applaudir. Et un petit coucou à quelqu'un, je crois. Oui, il y a quelqu'un dans la salle qui a participé à toutes nos répétitions, qui a déjà joué dans un opéra. Et c'est un petit-fils, il a 10 ans aujourd'hui, on peut l'applaudir. Thibald, il est par là. Il est juste là. Ouais. Ah ouais. Et il tient un panneau, les Ghisolos. Ouais. Vous êtes une belle famille, les Ghisolos. Et voilà, on va se tourner vers nos parrains qui découvrent cette prestation. Laurie, alors, ça fait plaisir. Mais oui, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Ça fait très plaisir de vous voir sur scène, de voir vos beaux sourires, vos yeux qui pétillent. Et comme tu l'as dit, il y a une chorégraphie assez difficile parce qu'il y a quand même plein de choses, plein de déplacements. Et vous avez gardé le sourire, vous êtes amusé. Enfin voilà, vous m'avez embarqué. Franchement, c'est un bon début. Waouh, ça commence bien, ça promet. Parfait. Nicolas, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Moi, je trouve que Mélanie a bien choisi ses mots quand on la voyait à l'écran, parce que vous avez vraiment bien ouvert le feu ce soir. Cette chanson, vous l'avez très bien chantée. On sent que vous l'avez très bien jouée, que vous avez joué avec. Et vous avez une très belle énergie entre vous. Et c'est vrai que cette chanson est très bien placée au début, parce que vous avez donné un très, très beau départ à cette émission. Parfait. On a fait quel beau départ. Bonne chance pour cette finale. Mesdames et messieurs, c'était la famille Ghisolo. Et maintenant...
maintenant, chers amis qui nous regardez à la maison, c'est à vous de jouer, c'est à vous d'empoigner votre téléphone et de composer le fameux numéro de téléphone qu'il va falloir composer toute la soirée, le 0900 54 43, suivi du 01 si vous voulez soutenir les Guizolans. Et vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre famille préférée soit passée, vous pouvez y aller dès à présent. Ne perdez pas de temps, vous allez voir que ça va très très vite. Tout de suite, nous avons reçu quelques réactions via Facebook pour cette prestation des Guizolans. Isabelle qui nous dit « Youhouhou, mon filleul, c'est le meilleur, allez les guizos !» Joli le surnom. Et une autre Isabelle qui nous dit « Que vous êtes mignons tous les cinq, départ en fanfare pour cette finale !» Oui, ça c'est vrai, départ en fanfare les filles, la barre a été placée très très haute. J'ai donc avec moi la famille Chino maintenant, qui vient de la Chaux-de-Fonds. Comment ça va les Chino? Super bien. En tout cas, vous êtes magnifiques. Je pense que déjà, il faut relever la chose. Vous avez vraiment poussé le détail jusqu'au bout. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais elles ont les mêmes bijoux, même boucles d'oreilles, même robes, même chaussures. Ah, et ça vaut des applaudissements. Hein. Excusez-moi. Alors, il faut mentionner une chose tout à fait particulière avec vous, les filles, c'est que toi, Elodie, ça ne se voit pas beaucoup, mais tu es enceinte. Enceinte de 5 mois, on a donc un petit bébé qui chante et qui danse dans ton ventre. Et je crois qu'il a donné un petit coup juste tout à l'heure. C'est juste? Oui, c'est clair. Il s'est manifesté. Il a dit hey, « je suis aussi là, je participe à la partie. » Qu'est-ce que tu lui raconteras dans quelques années quand il sera en âge de comprendre? Ben, je pense que s'il aimera la musique plus tard, ben, je lui dirai, tu vois, peut-être c'est parce que tu y as participé depuis le début. Vous êtes une vraie famille de musiciens, il y a encore un frère, hein, si je ne me trompe pas, qui ne s'est pas lancé dans l'aventure. Il ne regrette pas trop? Non, je ne crois pas. Dès le départ, il a dit, moi je vous suis, mais en douce, quoi, dans les coulisses, vraiment. Il est un petit peu plus timide que vous, en fait, c'est ça? Oui, oui. C'est quoi le moment que vous avez préféré lors de cette aventure, en tout cas jusqu'ici? Ben, le moment qu'on a vraiment préféré, pour moi en tout cas, c'était la première répétition sur scène avec les musiciens. C'était un moment magique. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que ça va se reproduire juste là maintenant. Ça vous dit? On y va? Oui, oui. Allez, c'est parti les filles. La voix royale, c'est par là. Bonne chance aux sœurs Chino qui se lancent donc et qui sont prêtes à partir sur la scène du Studio 4, mais juste avant de basculer vers le Studio 4, on vous propose tout de suite un retour en arrière sur l'aventure des Chino. Comment l'ont-elles vécu? La réponse, la voici. Eh, bravo! Je pense que le concept de la chorégraphie, ça marche, mais j'ai l'impression qu'aussi ça vous bloque parce que peut-être que vous sentez pas la prise de pouvoir que vous pouvez avoir sur les gens avec des gestes. Ce qui leur manquait un peu, c'était plus de la confiance ou de l'aplomb sur une scène, parce que quand on n'a pas fait ça beaucoup, c'est dur d'y arriver rapidement. Mais juste pour essayer de vous faire toucher du doigt cette sensation, en fait, d'avoir un geste qui a un impact sur quelqu'un. Moi, je vais faire un peu genre comme si j'étais un homme-objet. Donc, je me mets devant vous, et puis je suis totalement soumis. Et puis vous, vous me donnez des ordres. Presque, on sent un peu le fouet. Bon. Vous voyez la différence? Mais on va essayer, en vrai. Ça va être bien. Bravo, en tout cas. Toi, t'as ton pied gauche ici et là, et toi, c'est ici et là. Pour ça, toi, t'as ton repère. Alors, les Chinois, c'est des vraies petites Suissesses, quoi. Presque trop polies des fois, je dirais. Mais elles se réveillent, là. Ils ont vraiment ces quatre tigresses qui sont en train de se réveiller. Et sur scène, à mon avis, ça va péter. Elles sont chaudes comme la braise, quoi. C'est trop bien, quoi. Donc, on fait toute la chanson avec Corée et tout, hein. Oui, comme ça, on est à l'aise. Okay. Vous mettez bien à l'aise. Pensez bien de vous laisser aller. Ouais. Oh là là. Voilà, comme ça, vous êtes bien. Ça tombe mieux. Ouais. Là, on sentait tout de suite le...
là, on sentait que vous étiez plus chez vous, tu vois. Okay. Et c'est exactement ce sens-là qu'il faut que... Dans ce sens-là qu'il faut aller. Elles étaient très enthousiastes et elles attendaient beaucoup, en fait, de ce moment. Et donc, c'était un bonheur parce qu'on sentait que dès qu'il y avait une petite remarque, un petit conseil, elles prenaient tout et puis elles prenaient tout avec beaucoup de joie. Vous choisissez deux, trois personnes dans le public, ouais, et vous les regardez, tu vois. Il faut qu'on sente que vous vous adressez, quitte même à pencher votre corps en avant, tu vois. Faut que les gens, ils sentent que vous venez les chercher. Quand on chante notre solo ou comme ça, par exemple. Ouais. Voilà, c'est là. Okay. On est proche de la bouche, quoi. Ouais, du coup, ça perd l'énergie. Là, c'est un peu gentil, quoi. Là, t'es un peu... Et elles sont pas aussi timides que ça. Dès qu'il faut chanter, elles y vont, quoi. Donc, ça va être de la bombe sur scène. Là, je me réjouis de les voir. Motif, c'est de prendre toujours autant de plaisir, de réussir à se dépasser. Si on a la chance de se remontrer sur cette scène, c'est de tout donner. Si vous voulez voter pour la famille Chino, c'est le 0901 54 43 02. Les quatre filles de la Chaux-de-Fonds sont les deuxièmes à chanter ce soir. Elles sont chaudes comme la braise, comme vous l'avez entendu. Elles ont choisi d'interpréter Le sens de la vie de Tal. Faites du bruit pour la famille Chino! Ambition fascinante, il est dans ma voix. Yeah!
Ça s'est bien passé. Alors, vous disiez donc l'important pour vous, c'était de prendre du plaisir, Michaela. Ah oui, alors là, on en a pris énormément. Tant mieux, c'est vrai que soutenu par ce public de feu, c'est absolument génial. Hein? Ah oui, alors. C'est génial. Ah oui, ils sont en forme. Hein? C'est la forme, ouais. Ah oui, oui, ils nous boostent. Merci. Et il a bougé pendant la chanson ou ça va? Je crois que j'ai trop bougé pour moi. Ah d'accord, pour son... c'est lui qui a été secoué en fait. Je pense. Est-ce que qu'est-ce que vous avez eu comme réaction après votre premier passage à la chaux de fond, les gens qui vous croisaient dans la rue? Alors que là, du positif, ouais. Plein de gens qui nous complimentent et qui ont vraiment apprécié notre chanson. Ouais. Et si vous deviez vous résumer en un adjectif, vous diriez quoi? Je dirais pétillante. Pétillante. Ouais. C'était la famille Gino. Et cette fois-ci, c'est Nicolas qui va donner ses impressions en premier. Alors, Mister Fraissinet. Mais pour moi, c'est un bonheur de les voir à chaque fois. Je ne suis pas sûr que j'aurais dit pétillante. Moi, j'aurais plutôt dit débordante de joie. Parce que je l'ai dit dans le sujet, on l'a un peu entendu, mais je pense qu'il faut un peu encore insister dessus. Parce que la première fois que je les ai rencontrés, déjà, il y avait une espèce d'appétit, de tout prendre comme prétexte pour être joyeux. Elles étaient curieuses de tout. Vous aviez envie de tout vivre à fond. Et ça se sent là, encore une fois, quand vous arrivez sur scène, vous avez une chanson qui vous va bien, avec le sens de la vie. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée, mais en tout cas, vous avez trouvé un joli chemin. Un grand bravo. C'est vrai qu'on a ces quatre énormes sourires, en fait, quand vous êtes sur scène. C'est magnifique. Laurie, à vous de nous dire. À moi, Ben moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, déjà, la première prestation... C'était une chanson assez rock, vous étiez dans des tenues en cuir et tout, très waouh. Et là, vous nous montrez carrément une autre facette de vous, avec des tenues un peu plus glamour, un petit peu plus sage aussi, mais avec une chanson plus pop. Et ça vous va aussi tout aussi bien. Et voilà, vous nous avez montré que vous saviez faire autre chose. Et ça, c'est plutôt bien. Bon, vous êtes satisfaite de ces commentaires, j'imagine. Vous êtes merci, ouais. Parfait, eh bien c'était la famille Gino. Et vous, à la maison, chère famille, le boulot continue. Oui, vous avez du travail, vous devez voter pour votre famille préférée. Alors on va récapituler tout ça, on reprend le numéro de téléphone 0901 54 43, suivi du 01 pour les Guizelons, du 02 pour la famille Gino. Pour les Porès, c'est le 03. Pour la famille Guérin, c'est le 04. Pour les Smos, le 05. Et pour les Varins, c'est le 06. Allez-y, ne perdez pas de temps, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répéterai encore. Nous avons reçu des réactions Facebook, évidemment, suite à la prestation des filles. Alors, Cédric nous dit, vous êtes quatre magnifiques rayons de soleil qui chassent les nuages grâce à vos voix qui nous réchauffent le cœur. Dis donc, c'est poétique. Hein. Mylène qui dit, allez les filles, vous êtes les meilleures et félicitations à la future maman, ça c'est bien vrai. Marie, aussi bien que Tal hier soir à l'Arena. Waouh, ça c'est du compliment. Et finalement, Rachel, ça déchire, vous êtes des finalistes redoutables. Bravo les filles, on vous soutient à fond. Oh là là, la compétition est bien lancée, je vous le dis les amis. Alors maintenant, nous allons revenir à la musique évidemment, parce qu'on est là pour ça. Et on va retrouver nos 12 familles toutes ensemble sur un clip. Un clip, une chanson qui est basée sur un titre de Zaz, ça s'appelle On ira. Et c'est là. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkino. Qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On ira que les bonbons font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite
vraiment vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette aventure. Et justement, nous avons encore un cadeau pour vous. Après la musique, nous vous proposons du bien-être. Nous avons envie que vous vous fassiez du bien. Et justement, nous vous offrons à tous une entrée pour les bains de Saillon. J'espère que ça vous fait plaisir. Oui. Je vous l'ai dit en début d'émission, toutes les familles ont joué le jeu jusqu'au bout. Les familles finalistes, évidemment, qui sont là, et les familles non qualifiées, qui, elles aussi, sont avec nous et nous accompagnent ce soir. Justement, j'ai à côté de moi la famille Geyser. Regardez, retour en image sur leur prestation. Geyser, qu'est-ce que ça fait de se revoir à la télévision ? Ça fait plaisir. C'est spécial. C'est spécial ? C'est quoi qui est spécial ? D'entendre sa voix ou de se voir ? D'entendre sa voix surtout. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Vous avez chanté en famille, les parents, les enfants, les filles. Comment c'était d'être avec vos parents sur scène ? C'était tout simplement génial, moi, je trouve. En tout cas, ce qui nous a marqué ici, c'est que vous avez été une famille enthousiaste tout au long de ce projet. Aujourd'hui encore, c'est quoi le secret ? Alors, on est venu à la mission déjà tel qu'on est. On voulait pas faire de, comment on dit, de chichi différent et tout. Donc, on est enthousiaste naturellement. Puis, ce qu'on essaye, peut-être notre secret, c'est qu'on essaye de rester branché le plus possible à la source de la joie. Ah ben en tout cas, ça fonctionne bien. Alors, bravo bien. À vous. Et merci beaucoup de nous accompagner ce soir encore, les Geyser. Et on va continuer tout de suite avec la prochaine famille. Ce sont les Berrysville. Rappelez-vous de leur prestation. Du bruit ici, et c'est pour vous aussi les Berrysville. Bravo, bravo. Alors les Berrysville, vous aussi, qu'est-ce que ça vous fait de vous revoir comme ça ? Eh ben, c'est génial. Nous huit ensemble, ouais. Alors, moi avec mes sœurs, mon frère, ma beau-sœur, mes beaux-frères. Ouais, génial. En tout cas, c'est sûr, j'allais vous dire, on ne peut pas vous oublier, en tout cas pour une bonne raison, c'est parce que vous étiez tellement nombreux, c'est impressionnant dès le départ. Je sais qu'il y a plusieurs professeurs parmi votre famille. Qu'est-ce que vos élèves vous ont dit quand ils vous ont vu à la télévision ? Ça a été quoi les retours ? Bon, il y en a plusieurs qui ont regardé, plusieurs qui ont voté. Merci beaucoup. Et bien sûr, ils voulaient apprendre Le Lion est mort ce soir à l'école. Ah, puis, voilà. Bon. Donc maintenant, ils chantent tous ? Oui, oui, on est sur la bonne voie. Quel est le moment que vous avez préféré durant cette aventure ? Alors, je crois qu'il y a deux moments. C'était le moment, la première fois qu'on a répété tous les huit ensemble. Et puis, la deuxième fois, c'était quand on a pu chanter sur scène avec des musiciens comme vous avez ici, alors ça serait génial. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir participé, d'avoir été avec nous lors de cette deuxième saison. On peut vous applaudir encore une fois. Et on va donc tout de suite enchaîner maintenant avec notre prochaine famille, les Thompson Herbach. Regardez ce qu'elles avaient fait. Est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Alors, de le faire ou de le voir ? Parce que c'était pas pareil. Tout est possible. De le voir, c'était justement ce que disait la famille Geyser, que c'était difficile de s'entendre. Mais pour moi, c'était plus difficile de me voir. C'était terrible. Je préférais fermer les yeux. Quel sera alors votre meilleur souvenir de cette aventure ?
ça serait juste d'être ensemble. Pendant les pauses, on prend toujours la guitare, on chante ensemble, on joue ensemble. Ça, c'est pour moi juste le fait de chanter ensemble. Ça fait... Est-ce que vous avez l'impression que c'est une expérience qui vous a encore plus soudée? Ah oui, moi je trouve, surtout qu'on n'a pas beaucoup de contacts vu qu'on habite assez éloignés l'une de l'autre. Et je dois dire, maintenant, ça me donne vraiment envie à chaque fois de savoir mais qu'est-ce qu'elle fait, et puis quand est-ce qu'on peut se voir, et qu'est-ce qu'on pourrait encore chanter ensemble. Non, c'est génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup les filles, on peut encore vous applaudir. Et maintenant, il est temps de retourner vers Sarkis au Studio 4. Merci Mélanie pour ces interviews. Alors, vous téléspectateurs, n'oubliez pas, vous pouvez voter pour les six familles, pas besoin d'attendre qu'elles aient chanté. C'est le moment de notre première surprise. Trois familles vont chanter une chanson de Nicolas Fraissinet et elles vont même la chanter avec son auteur. Les familles Varin, Chino et Guérin chantent Le sourire de ma mère accompagné de Nicolas Fraissinet. Quand menace
Je vous rappelle que vous pouvez voter en appelant au 0901 54 43, suivi du numéro de la famille, à savoir 01 pour la famille Guizelan ou 02 pour la famille Chino. 03 pour la famille Porret, 04 pour la famille Guérin, 05 pour la famille Tsmos ou 06 pour la famille Varin. Voilà, les votes sont rappelés, les numéros sont clairs pour vous. On repasse au studio de Mélanie. Est-ce que vous êtes prête? Ah ben oui, moi je suis toujours prête. Génial. Et je suis avec les sœurs Porret. C'est surtout elles qui doivent être prêtes plus que moi. Alors les filles, j'ai vu dans le petit reportage qu'on a vu en début d'émission que vous aviez un très joli surnom, les Porrettes. C'est sympa qu'on vous appelle comme ça, ils sont chouettes vos amis, dis donc. Ça sort d'où ça? Ben en fait, à vrai dire, je sais pas tellement. J'ai l'impression qu'on s'est un peu... nous-mêmes. En fait, vous vous êtes fait avoir, parce que vous savez que maintenant toute la Suisse romande va vous appeler comme ça. C'est ça. Je trouvais que ça sonnait assez bien. En tout cas, les filles, ce soir, vous participez à trois, mais il y a aussi vos parents, qui, je pense, sont dans la salle ce soir. Ils auraient voulu quand même monter sur scène avec vous après avoir vu votre prestation. Alors, mes parents, je pense pas. Enfin, vraiment, on a reposé la question. On se dit, ouais, mais quand même, après, est-ce que ça vous aurait pas fait plaisir de faire ça avec nous? Pas trop. Mon frère, je pense que si on avait insisté un peu plus, peut-être qu'il se serait lancé avec nous. Parce que c'est qui a eu l'idée finalement de s'inscrire? Je crois que c'est moi en fait qui ai lancé la chose, de manière un peu discrète, mais finalement j'ai réussi à les convaincre. Je suis assez contente. Et votre but est atteint ce soir? Vous avez trouvé ce que vous recherchiez dans cette aventure? Oui, je crois vraiment. Et surtout, de se sentir soutenu comme ça, c'est vraiment la grande chose qu'on a découvert. C'est vraiment des très, très beaux moments partagés. Alors oui, vraiment, c'est atteint ce soir. C'est ce qui vous a le plus marqué? Oui. Bon, en tout cas, le soutien, il vous attend au Studio 4. Donc c'est parti, les filles. On croise les doigts pour vous. Regardez, hop, 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 c'est croisé. Allez, c'est par là. Bonne chance! Bonne chance, les sœurs Porret! Alors, avant qu'elles n'arrivent sur scène, bien sûr, nous allons voir comment elles ont vécu leur aventure, comment s'est passée la rencontre avec leurs parrains. Regardez, c'est ici. Moi, vous m'avez bluffé parce que je trouve qu'il y a énormément de finesse et de précision en fait dans ce que vous avez fait de la chanson. Puis on entend vraiment vos voix à chacune et puis la précision avec laquelle vous les avez agencées. Je suis assez impressionné. Moi, j'attendais beaucoup de les rencontrer parce que je savais ce qu'elles allaient chanter. Donc du coup, je me disais, voilà, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être décevant? Est-ce qu'elles vont s'en sortir? Ou est-ce que ça va être une catastrophe? Enfin, comment ça va se passer? Et elles m'ont attrapé le cœur d'un coup. Ouais. Donc moi, elles m'ont vraiment soufflé. Alors la famille Porret, c'est trois magnifiques filles avec des très jolies voix qui ont beaucoup de musicalité, qui ont l'habitude de chanter ensemble et ça se voit dès les premières répétitions, c'était précis, c'était nickel. Alors, une faiblesse, comme ça, je trouve pas, c'est bon signe. Donc c'est qu'elles en ont pas beaucoup. Non, elles sont formidables, je les adore. Ce qu'elle propose sans tomber dans la surenchère, mais sans ne pas en donner assez. Il y a vraiment une justesse dans ce qu'elles ont fait qui me touche beaucoup. Pour moi, c'est vraiment du ciselage très fin.
ça va aller. Ouais. Le track descend un petit peu là. Ouais, ça descend, ouais. Ouais. Il faut s'habituer, c'est normal. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Mais c'est impressionnant, ouais. Franchement. Moi, je sais juste pas comment ils vont mettre 300 personnes là-dedans. Et au départ, dès la première répétition, elles avaient vraiment non seulement préparé leur voix, les trucs à deux, trois voix, etc., mais aussi des détails de crescendo, des choses comme ça, des petits silences, pour avoir déjà un peu d'avance en arrivant aux premières répétitions. Lancer parce que Sarah, elle avait c'est une des trois qui avait le plus de réticence et au final, je pense que c'est celle qui a le plus apprécié le moment en tout cas avant de monter sur scène. Donc, vraiment, faut pas hésiter à cette adrénaline. Ouais. Vous voterez donc pour la famille Porret au 0901 54 43 03. Le canton de Neuchâtel est représenté par une deuxième famille ce soir. Les trois sœurs Porret ont gagné leur place pour la finale la semaine passée. Elles chantent L'envie de Johnny Hallyday. Mesdames et messieurs, la famille Porret! Mais bravo les filles!
Mais alors, c'est impressionnant parce que c'est vraiment par rapport à la semaine passée un changement assez radical de choix de chanson, Sarah. Alors complètement, oui. C'est vrai qu'Alléluia, en fait, la semaine passée, c'était très posé, puis là, ça devient quand même plus rock. Mais en fait, on voulait simplement changer complètement de registre pour montrer en fait aux gens que on n'a pas que les chansons douces comme Alléluia, puis qu'on arrive très bien aussi à faire des chansons un peu plus rock. Ouais, ça s'est vu. Et ça change quelque chose par rapport à l'énergie qui est dégagée par le public ou parce que vous vivez sur scène, Sophie? Oui, alors complètement. C'est vrai que voilà, on bouge, on voit ces gens qui applaudissent, ça nous transporte encore plus. C'est, voilà, c'est toute cette énergie, ça nous... Et Rebecca, vous avez pris du plaisir? Absolument. Eh bien, c'était l'essentiel. Bravo à vous, c'était la famille Poré. Alors Laurie, ça change hein, par rapport à la semaine passée. Ah oui, ça change beaucoup, mais ça a été fait encore avec brio. C'est d'une justesse, enfin voilà, tout était, c'était parfait. Et en plus de ça, de vous voir vous éclater, vous danser les cheveux au vent et prendre le public avec vous, c'était très agréable de vous voir vous défouler comme ça. C'est vrai qu'il y a même un peu, il y a même des coupes un peu Johnny Hallyday, hein, pour les deux. Nicolas. Ben moi, vous m'impressionnez encore. J'ai l'impression que vous prenez un malin plaisir à prendre des chansons qui sont des monstres sacrés, histoire de faire bien peur à tout le monde pour qu'on se dise « Mais qu'est-ce qu'elles vont réussir à faire avec ça comme chanson ?» et puis à réussir à la prendre à votre sauce et à nous en faire un truc incroyable. Et attendez, j'ai encore des compliments à vous faire. Pas fini. Encore des compliments. Mais oui, bah en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que des compliments quand on entend ça? Je vous avais dit la semaine dernière que vous aviez un vrai grand talent, et là, c'est vrai que la chanson n'a rien à voir avec celle d'avant, mais on retrouve votre exigence et votre sensibilité, on retrouve en fait votre talent qui est tout aussi grand que la semaine dernière et encore plus grand, je pense. Ça fait plaisir d'entendre ça. Hein. Bravo à vous, c'était la famille Poré. Bien sûr, vous continuez à voter. Et si vous voulez soutenir les sœurs Poré, vous composez le 0900-54-43 suivi du 03. Ne perdez pas de temps, allez-y. J'ai ici des réactions Facebook suite à la prestation des sœurs Poré. Alors Yves qui dit les trois sœurs Poré, c'est juste formidable. Un CD, on veut un CD. Bah, peut-être bientôt dans les bacs, on verra. Josie, délicieuse voix, divine interprétation de notre Johnny. Fanny qui dit allez les filles, on est au taquet, on vote à fond pour vous. Vous allez cartonner, c'est sûr. Et Valouchka qui dit elles assurent. Les filles, oui, je crois qu'on peut le dire. Ici, on a été assez impressionnés par leurs prestations. J'en profite encore pour vous dire que vous pouvez aussi interagir via Twitter avec le hashtag 1ADF. Allez-y, hein, on attend vos messages. On a dit qu'on diffusait les meilleurs. Il ne tient qu'à vous, chers amis. J'ai en face maintenant de moi la famille Guérin. Bonjour. Bonjour. Les frères et cousins Guérin qui nous viennent donc du Valais. Eh oui, encore. Alors, moi, je suis quand même un petit peu déçue. Je dois vous avouer ça ce soir. Où sont vos bretelles? Elles sont là. Elles sont exceptionnellement. Ah, mais vous avez bien caché votre jeu, en fait. Donc, vous faites une petite chorégraphie ce soir sur scène, on pourra les voir, c'est promis? Évidemment. Les bretelles, hein, je parle des bretelles. Oui, hein. Moi, je vais les enlever. On a des grosses bretelles. C'est très bien, c'est très très bien. Bon, revenons un petit peu au sérieux. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure à mère de famille? Le délire, simplement. On avait vraiment envie de faire les fous, puis c'était la bonne occasion de le faire. En plus, sur scène, c'est juste un régal, quoi. Et vous aviez pas peur, un peu, quand même, de monter sur scène, comme ça, à la télévision? On était terrorisés. c'est la même chose pour vous tous? Tout à fait, le mot est juste. Alors, c'est vrai que dans votre inscription, vous aviez dit que vous vous étiez inscrit parce que vous vouliez vous marrer. Est-ce que le but a été atteint? plus qu'atteint. Au-delà de ça tout. Bon, au-delà du fait de se marrer, il va falloir chanter maintenant quand même, hein. Vous le savez ça. Ah, on n'avait rien prévu nous alors. On nous prend au dépourvu. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va le tenter quand même. Vous posez vos petits micros puis vous allez par là, d'accord? Merci. Hein? Allez, c'est parti pour les Guérins. On le sait, c'est sûr, ils vont mettre le feu au plateau. Mais avant de mettre le feu au plateau, ils ont surtout mis l'ambiance dans les coulisses et en répétition. Regardez, accrochez bien vos ceintures. J'ai vu le sang sur ma peau. J'ai vu la fureur et les cris. Et j'ai prié. Yeah, j'ai prié. Tous ceux qui
se sont sacrifiés. J'ai vu la mort, mort se parer et ramasser ce qui restait. Et j'ai vu. Ah, il m'a dans l'œil. Quelle énergie. Ah ouais, là, c'est fouf. Ça va un peu le. La danse, hein, ça. Mais la danse, c'est nickel, la danse. Vous êtes tellement à fond, à fond, à fond que ben. Parfois, on est un peu essoufflé et la voix peut-être un peu moins là où vous êtes en train de faire d'autres choses et puis faire attention à la justesse. Ça s'est très, très bien passé. C'est des garçons qui sont adorables, qui ont une énergie, oh là là, à revendre. Tu viendrais danser derrière nous pendant ce temps qu'on chante normal, ouais, qu'on fait plus rien. Ouais. Mais sinon, belle énergie, vous m'avez fait rire. Enfin, c'est... Moi, j'embarque dans votre... Dans votre univers, en tout cas. Ça me fait plaisir. Ah ouais, ouais. Moi, c'est plaisir, alors viens avec nous seulement. C'était la première famille à qui je disais, les gars, un petit peu moins, parce que là, ça part dans tous les sens. Donc, c'était assez drôle, mais ça fait du bien. Sinon, moi, un petit coup de rouge, ou bien... Magnifique, le Ben, alors. Ouh. Ah ouais, c'est tout bon. Moi, j'ai un souci quand je chante, ouais. Au début, là, non, rien de rien. Ouais. Je remarque que c'est la deuxième fois que ça me fait ça, mais ouais. Je suis en train de passer dans les vapes. Tu respires pas bien. Ouais, respire pas bien. C'est sûr que si tu... À force, tu ventiles et tu... Et ben, là, j'ai trouvé que niveau vocal, c'était mieux que... Là-bas. Là-bas, parce que c'est là-bas. Oui, enfin, là-bas. Là-bas, voilà. Parce que vous étiez plus concentré sur votre, oui, d'accord. Votre truc. Ils ont réussi à gérer le stress, ça c'est génial. Et avec une énergie incroyable. Ouais. C'est que faut tout assumer, mais pas non plus partir en vrille et puis juste rester hyper concentré. Alors avec la famille Guérin, on est vraiment là pour rigoler. Mais c'est les bosseurs. C'est trompeur parce que la première fois au casting, quand ils sont arrivés, on s'est dit « Oula, ceux-là, ils viennent pour déconner, ça va pas forcément être nickel, c'est pas des bosseurs et tout. » Mais en fait, c'est les bosseurs. Et ils sont précis, ils font attention, ils travaillent leur chorégraphie. Ils sont super drôles, vraiment. Merci. Jean-Philippe et moi, on était les deux plus réticents. Et franchement, quand franchement. On va dire ça là. Hein? Franchement. Hein? Ah non, ouais, non, faut le faire, faut le faire, faut le vivre. Ouais. Ça fait pas mal. Le numéro pour voter pour les Guérin est le 0901-54-43-04. Les rockers de Vionnaz seront dans quelques instants sur scène. Ils avaient enflammé le studio sur Niagara. Ce soir, c'est Téléphone avec Ça, c'est vraiment toi. Voici la famille Guérin.
C'était la famille Guérin. Relevez-vous, les gars. Ça va? Une merveille. Bon, alors, avant de revenir sur votre formidable prestation, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous êtes fan de foot? Absolument pas. Pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Un petit peu. Un petit peu, et genre entre le Real et l'Atlético? Ah, j'étais pas là, j'aurais regardé le match, c'est sûr. Ouais. Mais non, mais est-ce que vous auriez été pour quelle équipe? C'est égal. C'est égal. Que le meilleur gagne. Parce que je vous l'annonce, mais restez avec nous, l'Atlético mène 1-0 pour le moment. Magnifique! Mais revenons sur votre prestation. Quelle énergie, les gars. Dominique, c'est de la folie. Qu'est-ce que je te dis? On s'entraîne dur pour ça. J'imagine, d'ailleurs, j'aimerais savoir, c'est quoi le petit déjeuner de la famille Guérin? C'est quoi, un sanglier pour les protéines ou Raphaël? Alors, c'est du lard, du jambon et un petit coup de rouge. Ah, au petit-déj? Bah ouais, écoute, c'est comme ça. Ok, bon, bah, en tout cas, moi, ça me plaît. Et je pense que ça plaît au public. Merci. Merci beaucoup. C'était la famille Guérin. Moi, j'aimerais bien voir aussi un jour Nicolas Fraissinet se jeter par terre à la fin d'une chanson. Nicolas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh ben, j'ai adoré, mais en même temps, cette chanson, elle vous va comme un gant. Moi, je savais quand vous alliez arriver, vous alliez retourner à la scène. Et vous l'avez super bien fait. Mais j'aimerais quand même préciser un petit truc, c'est que quand je vous ai vu sur l'émission précédente et que j'ai su qu'on allait chanter ensemble la chanson qu'on a chantée tout à l'heure, je me suis dit, oh, ils vont se sentir un peu à l'étroit. Je me suis dit, ils vont pas pouvoir sauter partout, défoncer le piano, et ça va peut-être leur manquer. Et à l'inverse de ce à quoi je m'attendais, vous avez fait preuve d'un vrai besoin d'être à la bonne place et d'une vraie sensibilité par rapport à ce que vous pouviez donner à ce titre-là. Donc, en plus de l'énergie et de la joie de vivre qu'ils transmettent, ils ont une vraie justesse dans leur manière d'être avec les autres. Vous êtes une très belle rencontre. C'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Les Guérin, c'est aussi quatre cœurs. C'est de la tendresse en masse. C'est bien juste. Des sentimentales. Ça, c'est vraiment toi. Toi, c'est le valet ou aucun rapport? Non, c'est les gens qui font la fête pour tout le monde. Les gens qui font la fête. Laurie, alors, à vous de nous dire ce que vous en avez pensé. Laurie est morte de rire. Ils m'ont décoiffé. Non, ça va, ça a tenu, je vous garantis. Non, j'ai remis la mèche là, mais. Non, et c'est vrai, ils ont retourné le studio. Ça a été. Voilà, quand j'ai su la chanson que vous alliez chanter, je me suis dit, voilà, c'est bon, c'est parti. Ouais. Mais c'est ça, il ne faut pas oublier, sur les émissions précédentes, moi, vous m'aviez aussi bien bluffé avec votre petite introduction, Non, rien de rien, où là, les voix étaient vraiment très, très justes, bien posées. Vous aviez voilà, vraiment des belles voix. Et c'est cool d'avoir un groupe comme ça qui saute partout, qui met de l'ambiance, de l'énergie. Moi, je suis fan, hein, je l'ai dit depuis le début, donc bravo. Parfait. Merci à vous, merci pour votre énergie. C'était la famille Guérin. Et vous continuez bien évidemment à voter pour votre famille favorite. Alors, on va passer en revue les numéros, hein, des fois que vous auriez oublié, et puis pour vous faire votre avis. Donc, le 0-900-54-43, suivi du 01 pour la famille Guizolan, le 02 pour la famille Chino, le 03 pour la famille Porret, le 04 pour la famille Guérin, que vous venez de voir en action, donc, le 05 pour les Smos et le 06 pour les Varins. Allez-y, lâchez-vous sur votre téléphone. Nous avons quelques réactions Facebook qui sont arrivées suite à la prestation des Guérins, et je peux vous dire que ça a été une véritable avalanche. Alors Sandrine qui dit « Allez les Guérins, ramenez-nous la coupe d'un air de famille en Valais, on y croit ». Marilyn qui dit « Yeah, les Guérins, c'est pas rien et en plus ça rime ». Laura qui dit « Vous avez tout déchiré les frérots, quelle ambiance, on vote à fond pour vous, bravo ». Et finalement Jonathan « Allez les cousins, les Guérins en force, vive le Valais ». Je crois que c'est dit, ça y est, il y a de la concurrence ce soir. En tout cas, si vous qui êtes à la maison, vous nous regardez, vous vous dites « Ah, mais moi aussi, j'aurais bien participé », ça tombe bien, c'est le moment, parce que l'année prochaine, il y aura une saison 3 d'un air de famille, et bien évidemment, nous avons besoin de vous. Allez donc sur notre site internet, rts.ch/1adf, pour vous inscrire, il y a un formulaire, et puis vous devrez nous envoyer un petit « vous en musique », en fait, voilà, un petit reportage de « vous en musique ». Donc allez-y, on vous attend, et on se réjouit de faire votre connaissance. Merci beaucoup, Mélanie. Oui, c'est vrai, vraiment, inscrivez-vous, on attend. C'est maintenant au tour de Laurie de passer à l'action. Elle va interpréter un medley inspiré du mot « chanter » avec les familles Tsmos, Porret et Guizolan. «
laisser paix pour bercer un enfant enchanté, pour pouvoir dire je t'aime et chanter tout le temps, pour implorer le ciel ensemble en une seule et même église, retrouver l'essentiel et faire que les silences se brisent. En haut des barricades, les pieds et poings liés, couvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter et faire s'unir nos voix autour du vague et en hymne, chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Toute la nuit à regarder les étoiles, en pensant qu'au bout du monde il y a quelqu'un qui pense à lui. Où que j'aille, ils sont tristes à la fête. Où que j'aille, ils sont seuls dans leur terre. Je veux chanter. Votez, votez, appelez. On me dit que c'est très serré entre deux familles. Alors allez-y, 0901 54 43, suivi du numéro de la famille que je vous rappelle. 01 pour la famille Guizolan, 02 pour la famille Chino, 03
pour la famille Porret, 04 pour la famille Guérin. Ah, il y a des gens qui hurlent. 05 pour la famille Tsmos, 06 pour la famille Varin. Voilà, les votes, les numéros sont rappelés. Alors allez-y, c'est très serré entre deux familles. Allez, allez, téléphonez, téléphonez. Et je propose de retrouver Mélanie qui est au studio 2, n'est-ce pas ? Mélanie ? Eh oui, je suis en backstage avec les Smos. Alors les filles, je viens de vous récupérer parce que vous venez de chanter, on vous a vu, bravo d'ailleurs. Et puis vous repartez juste après, c'est cool, non ? Bon, comment ça s'est passé ? Alors apparemment, on ne vous entend pas, je vous tends le micro, voilà. Je disais donc, on vient de découvrir le public et puis il nous a donné une immense force. On va y aller tout de suite là, avec beaucoup d'énergie. Et puis, je pense autre chose qui vous donne de l'énergie, c'est de savoir que vous avez tout un village, Villeray-Saufferer, dans le canton de Berne, qui vous soutient à fond. Alors on pense fort à vous, merci pour tout. Les filles, moi j'ai juste une question pour vous. Quand vous êtes retournées à l'école après votre passage la première fois à la télé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les amis, les copains ? Ils étaient super contents, super fiers de nous. Puis ils ont dit, ouais, vous allez aller en finale et on y est arrivé grâce à eux. Bon, bah, c'est bien. Et puis une dernière question pour vous, Magali. Chanter avec vos filles, c'est tout un symbole, non ? Oui, c'est clair. Je suis très fière de mes deux filles. C'est ma grande fierté. Mais j'ai une troisième petite fille qui est aussi ma grande fierté. Voilà, un petit coucou à elle. Encore un petit peu jeune pour chanter ce soir parce qu'elle n'a que quelques mois. Allez, bravo, c'est à vous les Smos. La scène vous appartient à nouveau. C'est parti, bonne chance. On croise les doigts pour vous. En tout cas, ce qui est sûr avec le parcours des Smos, c'est que partout où elles sont passées, ces filles ont touché tout le monde, parrains, marraines, coachs. Regardez. Bravo! Vous chantez, mais super bien. Justesse, voix, il n'y a vraiment aucun souci. Après, il faut vous amuser. Ce qui m'a marqué dans la famille Tsmos, c'est beaucoup de sensibilité. Vraiment, même presque à fleur de peau. Et c'était très touchant. En plus, c'est une chanson qui vous va bien, je trouve. Une chanson très... avec beaucoup de sensibilité, tout ça, et avec beaucoup d'amour, et voilà. Quand je suis arrivée au moment des répétitions, j'avais inversé un petit peu les rôles parce que j'avais fait une photo il y a quelques années avec une des pitchounettes qui était venue à mon concert et qui était venue dans la loge. Et donc j'ai ressorti la photo. Je te reconnais, toi. Oui. On se connaît, non ? Oui. Je suis super fan de toi. Est-ce que je peux te demander une dédicace ? Ouais. Parce que regarde, j'ai une photo, on est ensemble. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, c'est trop mignon. Oh, merci. Trop gentil. J'ai pas l'habitude de travailler avec des gens qui mettent autant d'émotions. C'est voilà, je les trouve comme un petit verre de cristal qu'il faut pas lâcher. Ils sont toutes fragiles, toutes mignonnes. Et c'est vraiment très chouette. Une fois que tu découvres leur intérieur, là, c'est un chouette monde. Il y a dû se passer pas mal de choses chez eux. Je pense qu'elles ont un grand vécu, en tout cas. Puis c'est très chaleureux, très familial. Qu'elles étaient très timides et très réservées. Puis il faut que la personne qui est tout en haut des gradins, dans le public, puisse voir leurs gestes et leurs mouvements. Donc si elle doit faire comme ça, ben, il faut assumer tous ces gestes et toute la mise en scène, parce que vocalement, il n'y avait vraiment aucun problème. Ça
un réel bonheur si on va au final. Ce sera naturellement un immense, immense bonheur. Et puis, je crois qu'on peut déjà être super heureuse d'être arrivée jusque-là. Vous voulez voter pour la famille Tsmos? Alors appelez au 0901 54 43 05. Magali, Elisa et Marie étaient déjà allées très haut dans l'émission de qualification. Elles vont aller plus haut encore avec Tina Arena. Place à la famille Tsmos! Mes différences, ce désert au défaut semblant. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes, j'ai voulu tracer mon chemin. Voilà, à côté de moi, ça s'est super bien passé. Ouais. T'as pris du plaisir? Oui, j'ai beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que t'as ressenti comme ça sur scène? Ben, c'est un moment magique. C'est magique? Ouais. Et puis, j'aimerais savoir, est-ce que vous habitez à Villeray, hein, c'est bien juste? Oui. Et alors, maintenant, dans la rue, les gens hurlent votre nom? C'est clair. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, ben c'est cool. J'ose même pas imaginer. Et puis Magali, qu'est-ce que vous retiendrez de cette année, de ce passage à la télévision, dans Un air de famille? Que c'est une magnifique expérience et puis qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire pour la troisième saison. Ceux, ouais. C'est un message pour ceux qui sont devant leur télévision. Vous leur conseillez de s'inscrire? Entièrement. Il ne faut pas hésiter. Pourquoi Marie? Pourquoi faut s'inscrire? Parce que c'est une expérience unique. Et tu t'es amusée? Oui. Parfait. Mesdames et messieurs, c'était la famille Tsmos! Laurie!
On vous écoute alors. C'est beau à voir. Hein. Oui, voilà. Moi, je vous ai trouvé très touchante. C'était tendre, il y avait plein d'amour, plein d'émotions. Et voilà, j'ai eu mes petits frissons, donc je suis contente. Nicolas aussi a eu ses petits frissons, j'imagine. Oui, moi déjà, en fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué dès que vous êtes arrivé. Je voudrais saluer la beauté de vos choix de tenue, parce que je trouve que vous allez très, très bien ensemble. Non, mais oui, il faut le remarquer quand même. Je trouve Marie, il y a une vraie harmonie entre vous trois. Et ensuite, moi, j'ai l'impression que vous avez changé entre la première fois qu'on vous a vu et puis aujourd'hui. J'ai l'impression que dans le sujet, on parlait de fragilité. Moi, je vous ai senti beaucoup plus forte que la dernière fois dans votre occupation de l'espace, dans vos gestes, dans les petits bouts de chorégraphie qu'on a vus. Je trouvais que vous avez beaucoup plus d'assurance et de plaisir à être là. Et j'ai l'impression que, comme vous l'avez bien dit, là, vous êtes allé un petit peu plus haut qu'avant. Bravo. Génial. Merci d'être venu, en tout cas. Bonne chance. C'était la famille Tsmos. Bien évidemment, si vous voulez soutenir la famille Tsmos, c'est toujours le même numéro de téléphone, 0900 154 43, suivi du 05. Allez-y, ne perdez pas de temps, car encore une fois, je vous le répète, mais ça va vraiment très très vite, et cette fois, nous arrivons gentiment au bout. Voici les réactions qui sont arrivées sur Facebook suite à la prestation de cette famille Tsmos. Isa qui dit « Magnifique chanson de la famille Tsmos, j'en ai la chair de poule ». Oui, moi aussi. Josiane qui dit « Famille Tsmos, vous êtes touchante, bravo, vous chantez pour les anges ». Ça, c'est vrai aussi, je suis d'accord. Christine, bel hommage à Tom et respect les filles. Une étoile brille fort pour vous. Bravo pour votre parcours. On vous soutient même du Valais. Et finalement, Megan qui dit « Allez les Tsmos, on vous aime ». C'est beau. Bon, elles vont nous faire pleurer, je crois. Ah ouais, c'est touchant, mais c'est vrai que c'était une très très belle prestation. Alors voilà, les filles Varin, mais maintenant ça va bientôt être à vous. Vous êtes les dernières à passer ce soir, vous avez attendu jusqu'à maintenant. Ça fait un peu monter le stress de passer en dernier? Ouais, je sais pas si encore mes jambes vont me tenir dans 5 minutes, mais pour l'instant ça va encore. Bon là, pour l'instant vous êtes assises, donc ça tombe bien. Je crois que pour vous, d'après ce que j'avais lu dans votre fiche d'inscription, c'était un challenge de s'inscrire à un air de famille. Pourquoi c'était un challenge pour vous? Parce que c'est vraiment une expérience hors du commun. Puis il faut, je pense, avoir comme le courage de s'inscrire à une émission pareille. C'est vraiment un beau challenge. Et vous êtes contente du résultat? Plus que contente. Pour ma part, je ne sais pas. Pour mes... Qu'est-ce qui vous aura le plus marqué? C'est quand on est entré pour la première fois sur scène avec le public, la première émission. Quand le public hurle, quand on entre, tout cet amour qui vient sur nous, c'est scotchant, quoi. On est comme au fond d'un siège, une voiture qui démarre à 200 à l'heure. Ah, c'est joli, ça. Alors, est-ce que vous êtes prête à en reprendre une petite dose de cet amour? Toujours. Alors, j'ai envie de vous dire, bah, les filles, c'est par là. Hein. Et c'est maintenant. Allez, bonne chance. Je croise les doigts pour vous, encore une fois. Les quatre sœurs Varin qui sont donc en route pour le Studio 4, les filles qui viennent du Jura et qui sont donc soutenues bien évidemment par leur canton et qui ont séduit ici autant par leur magnifique timbre de voix que par leur magnifique physique. Regardez ce qui s'est passé. Bravo. Qu'est-ce que tu trouves d'ailleurs en place en train de vivre ensemble? Après, il y a aussi une autre chose que je pense qu'on pourrait pousser, c'est l'énergie du morceau. Et que du coup, ouais, que ce côté un peu plus libéré qui vient progressivement, il continue en fait sur la fin, et qu'à la fin, à la limite, c'est même le public qui a envie de reprendre le refrain avec vous, parce que vous faites des variations. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu chez elle, c'est que ces quatre sœurs, donc elles ont des voix qui ne sont pas éloignées les unes des autres, mais qui sont quand même très différentes et qui ont chacune un grain particulier, un petit voile par-ci, un petit vibrato par-là. Moi, j'ai été très séduit par la couleur de leur voix. Un petit détail, c'est à la fin, le dernier frein, on doit tous se regarder. Hein, parce qu'il y a tout le monde. Ouais, exactement. Si, on doit se regarder tout le monde. On avait dit. Attends. Si. Bah, je regarde, mais tu regardes là-bas. Je sais pas, je te regarde là. Tu regardes là. Ouais, bah, je regarde à mon. Mais elle t'a snobé. Je t'ai snobé. Attends. Il y en a une qui se reconnaîtra, qui est parfois un petit peu susceptible. Mais non, sinon, ça s'est très bien passé, les répétitions. C'était vraiment que du bonheur avec elle. Il y a
avait un peu de trac, il y avait un peu de stress. Il faut réussir à attraper le regard de la sœur, revenir vers le public, jouer avec ça. Elles arrivent à attraper le public très rapidement avec leur timbre, et ça, c'est une grande force. Mais tu peux, vous pouvez y aller encore plus. En fait, moi, juste avant de monter sur scène, je leur ai dit, cette chanson, c'est exactement vous. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être vous-même et d'en rajouter un petit peu plus pour que ce que vous êtes, ça passe de l'autre côté de la scène et que ça arrive au public. Dans les mêmes pensées, on est tout ça pour s'amuser, c'est le premier but. Et puis on espère pouvoir revivre ça en direct avec les autres familles, quoi. Ouais. Ça serait vraiment génial. Si vous voulez voter pour la famille Varin, c'est simple, appelez le 0901 54 43 06. C'est donc au tour de nos quatre charmantes sœurs du Jura. Elles ont choisi Tandem de Vanessa Paradis. Allez, une ovation pour la famille Varin! C'était la famille Varin! Hey,
Hey, alors, ça fait quoi, Caroline, ce public en feu pour cette magnifique prestation? C'est de la folie, j'ai pas envie de m'arrêter. Vous voulez recommencer? Ah ouais, sans problème. J'arrive même plus à parler. Lucie, ça fait quoi? C'est bon? Alors, c'est dur de penser que c'est déjà la fin, mais là, ce moment, ben voilà, on s'est fait vraiment plaisir, on s'est lâché, et puis c'était génial. Avec ce public comme ça, c'était parfait. Waouh. Adriane, vous savez que la famille qui va remporter un air de famille remporte également 10 000 francs. Est-ce que vous avez déjà prévu ou si vous savez ce que vous en ferez si vous gagnez? On n'en a pas encore discuté parce que okay. C'était vraiment pas le but de l'émission, c'était de s'amuser. Mais je pense qu'on se fera un beau voyage pour encore se retrouver toujours c'est ensemble. C'est une excellente réponse. C'est pour le plaisir avant tout que les familles viennent ici. Merci Adriane, c'était la famille Varin. Monsieur Fraissinet, je vous écoute. Pourquoi riez-vous? Ben, j'avais dit aux Guérin tout à l'heure qu'ils avaient retourné la scène. Vous, je trouve que vous avez fait fondre les projecteurs avec ce que vous avez fait. Oh, c'est beau. C'est un vrai poète, il faut le savoir, Nicolas Fraissinet. Non, mais c'est totalement c'est pensé. Poète. Vous avez choisi une chanson qui vous va encore comme un gant, avec ce petit côté hyper sensuel et hyper canaille qui se marie hyper bien. Et voilà, vous me bluffez, vous avez des timbres de voix qui me laissent sans voix. C'est beau. Toujours, toujours une petite touche de poésie, j'adore. Laurie. Oui, bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. Vous l'êtes vraiment bien approprié, cette chanson. En plus, moi, c'est une de mes chansons préférées. Je l'adore, je la connais par cœur. Donc, j'étais comme ça à l'affût. Et ça a été vraiment parfait. Donc, bravo. Génial. Bravo à vous. Un grand bravo. C'était la famille Varin. À vous de voter et attention, l'heure est grave, toutes les familles sont passées maintenant, alors allez-y, vous composez le 0900 154 43 suivi du 06 pour soutenir les sœurs Varin. On a reçu aussi beaucoup de réactions sur leurs prestations via Facebook. Fabienne qui nous dit allez les Varin, à fond de train, vous êtes super. Olivia, on est vos plus grands fans. Adriane, ta filleule te fait plein de gros becs. Toute la famille est devant le poste, hein, visiblement. Mylène, merveilleuse chanson, les sœurs Varin, vous m'avez scotché, j'ai hâte de savoir qui sont les gagnants de cette merveilleuse finale, nous aussi. Et finalement, Elodie, bravo, vous êtes magnifiques les filles. Le Jura est fier de vous et pas que le Jura d'ailleurs. D'ailleurs, maintenant, si vous avez envie de retourner un petit peu en arrière, de faire un retour dans le temps et de revoir les prestations de nos 6 familles, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on vous a préparé. Attention au départ, direction notre histoire.
continue. Vous venez de revoir les prestations de nos 6 familles. Et continuez à voter. Allez-y, allez-y. On me dit que c'est au coude à coude. C'est extrêmement serré entre nos 6 familles. Donc, si vous ne voulez pas être déçus, c'est maintenant ou jamais. Votez 0900-154-43, suivi du numéro de votre famille favorite. Et maintenant, je me tourne vers la famille qui est juste en face de moi, les Baseldia. Vous faites partie des familles non qualifiées, mais vous êtes avec nous ce soir quand même. Retour sur votre prestation. Et bien sûr, toutes les filles lui font les yeux de velours. Pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labours. Fait voler les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont libre. Alors, verdict, ça donne bien? Vous êtes content du résultat? On est content, c'est jamais parfait, mais oui, je pense qu'on peut dire qu'on est content. Oh, je sens la perfectionniste là. Hein. D'accord. Marcel, d'avoir chanté avec vos filles, qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Mais lorsqu'on m'a posé la question la première fois, j'avais dit, mais finalement, je fais quelque chose que j'aime avec des gens que j'aime. Puis quand je vois le résultat, je me dis, on est tout juste. Et puis c'est un réel bonheur de voir ça. Ça va rester dans les archives pour nous. Ça va ressortir au mariage, au baptême. Waouh, attention les filles, hein. Faites attention à ce que vous faites. Et vous, qu'est-ce qui vous restera de cette aventure? Moi, je pense que vraiment le soutien qu'on a eu, et je profite de remercier tout le monde qui était derrière nous, un soutien énorme, des gens, même des gens qu'on ne connaissait pas, qui nous ont écrit. Et vraiment, ça touche beaucoup. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, merci à vous d'être avec nous ce soir. Et on va passer à la famille suivante, ce sont les Vuillamy. Retour tout de suite sur leur prestation. Génération sur scène et vous aviez choisi de chanter du reggae. Moi, je trouve ça génial. Qui c'est qui avait choisi cette chanson? C'est Patrick. C'est Patrick. C'est notre fils, oui. Ça comme ça. Mais oui. Puis on a vous suivi. Vous êtes lancée, quoi. Mais oui, on s'est lancé. Mais Monique, vous êtes une fonceuse un peu, non? Je me trompe? Non. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti ça. Les filles, ça vous a plu cette expérience? Oui, c'était trop génial. On refait? Volontiers. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit les copines à l'école quand elles vous ont vues? Elles nous ont dit bravo, on a voté 2 fois pour vous et puis presque. Pas mal, pas mal, c'est bien, faudra les remercier. Hein. Et puis elles ont dit que c'était super et puis elles voulaient bien faire l'émission. Ah voilà, bah c'est bien, on a des inscriptions pour l'année prochaine du coup. Monique, encore vite une petite question pour vous. Je sais que quand vous êtes sortie de votre prestation lors de l'enregistrement, vous aviez des larmes dans les yeux. Qu'est-ce qu'elles représentaient ces larmes? Que du bonheur. Je suis une personne très émotive et ma famille compte plus que tout. Donc c'était un vrai bonheur pour moi d'être avec ma famille. En tout cas, c'était un bonheur pour nous de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Et on va enchaîner tout de suite avec la prestation de la dernière famille, les Chevalets. Chevalet, vous étiez encore avec nous la semaine dernière, en fait, donc vous avez dû attendre jusqu'à la fin pour savoir si vous étiez qualifiée ou pas. C'était long, cette attente? C'était difficile à supporter? Oui, un petit peu quand même. On était stressés de savoir si on allait être en finale ou pas, quoi. Mais c'est quand même un plaisir d'être ici. Bah nous, on est très contents que vous soyez venus quand même ce soir. Hein. Ça aurait été dommage que vous ne soyez pas là parce que vous aviez quand même bien mis le feu sur le plateau. Hein. J'ai vu le sportif, là. J'ai vu le sportif dans les mouvements parce que vous faites des études en sport, c'est juste. Hein. Oui, c'est juste, oui. Alors, les copains à l'Uni, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont un peu chambré parce qu'ils ont pas l'habitude de me voir dans ce domaine-là. Mais
J'ai eu des bons retours, donc ça devait... Ils étaient surpris ? Ils ne savaient pas que vous chantiez ? Ouais, ils étaient surpris, ouais. Ils ne savaient pas du tout. En tout cas, je sais que c'était votre passion à la base, la musique. Je pense qu'elle a été transmise à vos enfants. Est-ce que cette expérience a été le point d'orgue de cette passion ? On peut dire ça ? Oui, déjà d'une part, de découvrir mes enfants sur scène comme ça, c'était un magnifique cadeau de la vie. Et puis c'était une expérience fantastique à vivre ensemble. Et c'est la première fois, en fait, quand vous avez vraiment une expérience en chanson tous les trois. Donc, c'était incroyable. C'est ce que vous avez préféré, le fait de faire ça ensemble ? Ouais. Oui, vraiment. C'était vraiment un beau cadeau. Et puis, le moment où on rentre sur scène, et il y a aussi tous ces gens qui sont là, qui sont venus nous soutenir. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Merci beaucoup, en tout cas, les Chevalets. Et je crois tout de suite qu'on va repartir du côté du Studio 4. Sarkis nous attend. En effet, alors je vous rappelle, continuez à voter pour votre famille préférée au 0901 54 43, suivi du numéro de la famille. Est-ce que vous aimez les cadeaux ? Alors, on a un cadeau pour vous qui avez été fidèles, chers téléspectateurs, pour toutes les familles qui ont participé à l'aventure. Nos deux parrains vont chanter en duo « Je te promets » de Johnny Hallyday. Mesdames et messieurs, Laurie et Nicolas Fraissinet. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au sol. Comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait. Si les mots sont usés comme écrits à la craie. On fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, et même si notre histoire se termine au matin, je te promets un moment de fièvre et de douceur, pas toute la nuit mais quelques heures. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Et c'est vraiment le dernier moment pour voter. Allez-y, nos familles sont au coude à coude, c'est extrêmement serré. Alors si vous voulez faire la différence, vous composez le 0901 54 43, suivi du numéro de votre famille favorite. Et pour vraiment vous faire votre idée une toute dernière fois, retour sur leur prestation. Attention au départ.
J'espère que vous avez fait votre choix. Il sera bientôt trop tard. Attention, ne perdez pas plus de temps. Et maintenant, nous avons décidé encore une fois qu'il serait Noël avant l'heure. Nous avons donc placé un nouveau cadeau sous le sapin de nos familles et nous avons décidé de vous offrir un spectacle qui mêle magie et humour, un spectacle piquant, poétique. Ça s'appelle le Comedy Magic Show. Regardez. Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit du maître des métamorphoses, Arturo Brachetti, qui pour l'occasion sera entouré par 7 illusionnistes internationaux de renom. Et ce spectacle aura lieu du 26 décembre 2014 au 4 janvier 2015 au Théâtre du Léman à Genève. Ces places vous sont offertes par Opus One. Et retour au Studio 4 avec encore une énorme surprise. En effet, ils ont gagné un air de famille 2013. On leur a demandé de venir chanter. Ils ont accepté. Ils sont sur scène ce soir pour vous, pour nous, pour le public d'un air de famille. Mesdames et messieurs, une ovation pour la famille Crisinel. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that couldn't go to space. In the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Combine news, talking this and that. Yeah, give me all you got and don't hold it back. Yeah, I should probably warn you I'll be come back. Yeah, offense to you, don't hold it back. Here's why. Because I'm happy. Happy.
C'était la famille Cuisinelle. Bravo, bravo, venez, on va s'avancer un peu vers ce public de feu qui a adoré votre prestation. Flavie, merci d'être venue cette année chanter ici en famille. Merci beaucoup. Vous avez quoi comme souvenir de l'année passée? Qu'est-ce qui vous reste comme image? Le plateau, le public, les familles, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Pour nous, oui. Tant mieux. Pour nous aussi, hein, pour nous aussi. Pierre-Daniel, alors oui. Revenir cette année avec les images de l'année passée. Oui, beaucoup d'émotions. C'est vrai que quand on est rentré dans les studios, là, la petite boule, on a pensé bien sûr à ce qu'on avait vécu l'année passée. Et puis peut-être dire aussi à ceux qui gagneront aujourd'hui que pour nous, l'aventure a duré une année. On a été sollicité à beaucoup d'endroits, on nous a demandé, et c'était un immense plaisir de se produire en famille toute l'année. Génial. Alors, si on se replonge, il y a exactement une année, je ne sais pas si mon micro marche, il marche, voilà, c'est magnifique. Si on se replonge, il y a exactement une année, au même moment, peut-être Pascal, vous vous souvenez ce qui vous passait par la tête, là, dans les coulisses? Bon, on était contents de ce qu'on avait fait. On attendait ce résultat et on était hyper excités, vraiment. Là, on est un peu moins excités. Mais c'est vrai que de revoir l'émission comme ça avec les familles, on sait ce qu'elles ont vécu, puis c'est un beau moment de toute façon. Donc on est ici, je crois, dans un endroit où les gens se sentent bien, en tout cas dans cette émission. C'est vrai. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous encore une fois. On vous laisse sortir, on vous retrouvera en fin d'émission. Merci encore à vous. Des applaudissements pour la famille Cuisinelle. Et c'est le dernier moment pour voter pour votre famille préférée. On va avoir une petite pause publicitaire et au retour, eh bien, les votes seront terminés, Mélanie. Alors, on va rappeler une dernière fois les numéros. Alors, c'est le 0900-154-43 et vous ajoutez le 01 pour les Guisolans. Et le 02 pour les Chinos. Si vous voulez voter pour les Porrets, c'est le 03. Et pour les Guérin, c'est le 04. Pour les Zmos, c'est le 05. Et enfin, 06 pour les Varins. Alors, on se retrouve tout de suite après cette petite pause. Surtout, vous ne zappez pas. Non. Voici de retour pour la deuxième partie d'un air de famille. Et attention, l'heure est grave. Et oui, stop vote, c'est plus utile de téléphoner. Non, les votes sont stoppés maintenant. C'est trop tard, c'est fini. Oui, mais par contre, j'ai une excellente nouvelle pour vous, car vous nous avez été très fidèles pendant ces 7 émissions. Alors la semaine prochaine, on a une émission spéciale coulisses. Je n'en dis pas plus, je vous propose simplement de regarder un petit sujet pour vous mettre doigt à la bouche. Un air de famille, c'est sur ce samedi sur RTS.
Carole, Linda, Philippe, Nico, David, Laurent, Evelyne et Christiane. Je ne suis pas capable de faire encore la différence. C'est juste Christiane Evelyne. Christiane Evelyne. Okay. Ouais, bravo. Pas mal, pas mal, bravo. C'est pas Marcel, hein. Oh merde. Oh Marcel, excuse-moi. Merci. Merci beaucoup. Il fait chaud, je sais, il fait terriblement chaud. Quoi, c'est faux ? On fait du Corse. En fait, Sarkis, vous chantez faux, donc. Non, non. Non, je ne chante pas faux. Il y a des rumeurs qui courent, je ne sais pas d'où elles viennent. Mais je peux demander à n'importe qui dans le public, je ne chante pas faux. Voilà. Non, mais alors ça va. Mais en tout cas, vous avez une autre bonne raison de rester avec nous la semaine prochaine sur cette émission spéciale qui débutera à 20h15 sur RTS1. C'est que nous vous faisons gagner un voyage pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, all inclusive, en Crète. Et si vous êtes sympa, on vous prête Sarkis pour porter les valises. Avec plaisir. Envolez-vous une semaine en famille en Crète. Vous séjournerez à l'hôtel Grec Hotel Marine Palace en formule all inclusive. Accès direct à la plage de sable fin, 4 piscines et de nombreuses activités familiales vous attendent. Ce séjour pour 4 personnes vous est offert par TUI, agence de voyage. Je me réjouis de porter les valises. Ça va être super, ça va être vraiment top. En tout cas, pour l'heure, nous y sommes presque. Le dénouement est proche. Vous allez savoir d'ici quelques instants quelle est la famille qui a remporté la grande finale d'un air de famille 2014. Mais juste avant, nous avons décidé de vous proposer encore une fois nos 12 familles toutes ensemble et pour la dernière fois sur un titre de Patrick Bruel, Place des grands hommes. C'était des rendez-vous dans 10 ans. Mais je ne on verra quand on aura 30 ans. Sur les marches, la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à dire ici et si, je tirais des tours dans le quartier. Qu'un crépuscule de printemps appelle le même crépuscule qu'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards blessés. Qu'est-ce que j'ai fait ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien seront là? 4, 3, 2, 1, 0. André, tu te marres toujours pour rien? Et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gigi.
Et toi Bruno, et toi Evelyne. Car c'est formidable les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On ne peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale ses lettres au Scrabble. Dans la vitrine je vois. Et voilà, c'est le grand moment de tension. En effet, nos deux parrains ont l'enveloppe avec à l'intérieur le nom de la famille gagnante. Alors, quelle sera la famille coup de cœur? Quelle est la famille qui vous a le plus ému, le plus touché? Qui vous a fait le plus vibrer? Est-ce que ce sont les Guizolons du canton de Fribourg? Et est-ce que ce sont les Chinos du canton de Neuchâtel? Ou alors peut-être, toujours du côté de Neuchâtel, les Porrets. Et si c'était les Guérins du canton du Valais? Ou alors les Smos du canton de Berne. Mais ça peut aussi être les Varins du canton du Jura. Qui va repartir avec les 10 000 francs? Je vous pose la question. La famille gagnante d'un air de famille 2014 est... 3, 2, 1... La famille Poré. Venez là, ça venez, va. Venez les filles. Ça va. C'est dommage que ça coule. Oh là là, c'est l'émotion sur ce plateau. Bravo. Alors Sarah. Et il faut pas pleurer alors, les filles, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. Votre papa, il est dans un état, ah oui, il pleure aussi. Le papa pleure, c'est ça. Il est où le papa? Ah oui, avec mais je suis tellement content, bravo. Bravo. Alors laquelle des trois va être capable de parler? Laquelle va pouvoir prendre le micro et dire quelque chose? Sarah. Sarah, on se concentre. Alors ça fait quoi? Bah, merci à tous, franchement c'est génial. Merci mille fois. Alors, peut-être que encore, Sophie va réussir à parler. Le petit mot de la fin. Non, mais merci de votre soutien. On sent toute votre énergie. Ça nous a fait tellement, mais tellement plaisir de chanter pour vous ce soir. C'est incroyable. Vraiment, merci. Bravo à la famille Poré. Et bien voilà, c'est la fin de la deuxième saison de Un air de famille. Maestro Gilles Rosset et Ben d'Un air de famille. Musique. Wow.
Voilà, c'est la fin de Mère de Famille 2014. Alors, il y a beaucoup de monde à remercier pour cette formidable émission. À commencer par les 12 familles qui ont participé à l'aventure. Et bien évidemment, nous aimerions remercier nos magnifiques parrains, Laurie et Nicolas Fassinet. Famille, c'est aussi les coachs vocaux André et Dame, le band d'un air de famille avec Stella au chant, Olivier à la guitare, Didier à la basse, Marcel à la batterie et Gilles au clavier. Et c'est aussi tous les techniciens de la RTS en passant par le son, la lumière, les caméramens, les régisseurs de production, l'équipe scénographie, les techniciens du car, les maquilleuses, les habilleuses, l'équipe de production et la réalisation. Aussi le public d'un air de famille. C'est vous, chers téléspectateurs, car vous avez été fidèles pendant 7 semaines et je sais que vous serez au rendez-vous pour l'émission spéciale coulisses la semaine prochaine. On vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivis. Une chose est sûre, nous sommes une grande famille. Bonne soirée.